Je remercie tout d'abord la librairie Mola de nous donner cette occasion de faire cette présentation dans ce lieu magique. Un sujet sur le don d'organes, un sujet pas facile, mais un sujet dont il faut parler. Pourquoi il faut parler du don d'organes ? Parce que nous sommes tous concernés. Un jour, nous pouvons recevoir, un jour, nous pouvons donner. C'est un projet de citoyenneté, c'est un bel exemple de citoyenneté. Il est très, très important de pouvoir en parler parce que, je vous l'expliquerai par la suite, la loi nous incite à tous être donneurs. Je suis le docteur Julien Rogier, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux. Outre mon travail en réanimation, on m'a chargé de coordonner les prélèvements d'organes au niveau de notre établissement et d'animer le réseau aquitain de prélèvements d'organes. Je m'occupe aussi de la Fédération de transplantation et à ce titre, j'ai peux vous donner des informations en ce qui concerne les greffes d'organes. Et je souhaite présenter l'ERENA, le professeur Avrous, qui est la directrice de l'ERENA. L'ERENA, c'est l'espace régional éthique Nouvelle-Aquitaine. Et pourquoi nous sommes associés à l'ERENA ? Parce que, bien évidemment, le don d'organes et la greffe d'organes sont des sujets éminemment éthiques. Pour commencer, la transplantation d'organes ne peut être possible que grâce au don d'organes. Et j'ai intitulé mon topo « Donner-recevoir ». Je crois que je ne vais pas trop parler de recevoir des organes. Il y a des transplantés dans la salle. Recevoir un organe, c'est un cadeau merveilleux et c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que quand on est en attente de greffe rénale, on peut être dialysé. Ça complique beaucoup la vie. On peut survivre. Lorsqu'on a besoin d'un autre organe, sans transplantation, c'est la mort. Donc recevoir un organe, c'est une évidence. Et malheureusement, c'est une telle évidence qu'il y a une pénurie importante. Pour que cette évidence puisse survenir, il faut passer par une étape qui est le don, qui est le versant plus sombre, puisque la transplantation est toujours la lumière, le versant plus sombre, mais qui est absolument nécessaire pour pouvoir permettre la greffe d'organes, en tout cas dans la connaissance actuelle de la science. Différents types de dons sont possibles, et je vais les décliner. Il y a trois grands types de dons, deux dons issus de donneurs décédés et le don du vivant. Bien évidemment, ces pratiques sont extrêmement encadrées sur le plan législatif et je vous ferai un petit rappel de ce qu'est la loi. Vous avez résumé sur cette diapositive les différents types de donneurs. En bleu, les donneurs les plus fréquents, ceux qui permettent en tout cas en France le plus de greffes, ce sont les donneurs décédés en état de mort encéphalique, avec des donneurs dits à critères standards et des donneurs dits à critères élargis. Il y a 20 ans, on ne prélevait que des donneurs standards, c'est-à-dire des donneurs jeunes, sans comorbidité cardiovasculaire. Les besoins en transplantation ont beaucoup augmenté, et du coup, on prélève de plus en plus des donneurs à critères élargis. Mais rassurez-vous, il y a toujours un rétro-contrôle vis-à-vis des équipes de transplantation, et les résultats restant excellents, les équipes ont pris l'habitude de travailler avec des organes moins optimaux. Les donneurs en rouge, ce sont les donneurs en arrêt circulatoire, dont nous parlerons après. C'est du nouveau type de prélèvement qui permettent de faire des greffes. Mais là, c'est plus compliqué parce que dans le cas du donneur en état de mort encéphalique, il est à cœur battant, les organes sont oxygénés. Là, le cœur étant arrêté et à l'origine du décès, les organes ne sont plus oxygénés et très rapidement, ils ne sont plus en état d'être transplantés. Parce que s'ils l'étaient, ils ne fonctionneraient pas et au pire, ils pourraient être délétères pour celui qui les reçoit. C'est la raison pour laquelle, pendant de nombreuses années, on n'a jamais prélevé ce type d'organe. Enfin, le don du vivant, qui concerne essentiellement la transplantation rénale. Diapositive un peu ancienne, mais qui permet de nous situer par rapport à d'autres pays européens. Ce sont les chiffres qui mélangent les trois types de dons et qui nous comparent. Alors, bien évidemment, les pays n'ont pas le même nombre d'habitants. Donc, si on compare, par exemple, les États-Unis, où il y a un peu plus de 350 millions d'habitants, avec la France, où nous sommes 66 millions, eh bien, les chiffres ne veulent rien dire. Donc, on compare le nombre de prélèvements par million d'habitants. Vous voyez sur cette courbe que le pays le plus efficient au monde sont les États-Unis, qui est sur l'extrême gauche de la courbe, avec à la fois de la performance sur les donneurs en bleu, c'est-à-dire en mort encéphalique, en vert les donneurs vivants et en rouge en arrêt circulatoire. La France se situe au milieu, ici, vous voyez, donc pas au premier échelon, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle est quand même assez performante en ce qui concerne les donneurs en état de mort encéphalique.
On pourrait paradoxalement penser que les Pays-Bas sont bien plus performants que nous, puisqu'ils ont une barrette bien plus haute que la nôtre. Mais dans cette barrette, vous voyez, il y a beaucoup de vers. Le vers, c'est le don du vivant, et un donneur vivant ne permet qu'une seule greffe, parce qu'on ne lui prélève qu'un seul organe. Alors qu'un donneur en état de mort encéphalique va permettre en moyenne 3,2 greffes, et un donneur en rouge, 2,2 greffes. Donc finalement, la situation aux Pays-Bas est bien moins favorable qu'en France pour faire de la transplantation d'organes. Alors, avant de parler du Covid, on va parler de la dernière année où finalement tout se passait à peu près correctement. Il y avait certes de la pénurie, mais la greffe d'organes, ça marchait plutôt bien. En 2019, il y a eu environ 6000 transplantations d'organes. 6000 transplantations, tout organe confondu, je ne parle pas des tissus. Ça avait un petit peu baissé. L'année où on a le plus réalisé de transplantations, c'est en 2017, où il y a eu presque 6200 transplantations, essentiellement de la transplantation rénale. Mais on voyait que ça commençait déjà un petit peu à baisser, pour une raison qui était simple, c'est que dans les 20 dernières années, on a eu une augmentation conséquente tous les ans du nombre de prélèvements d'organes, mais il y a eu un tassement à partir de 2017 qui correspond à une diminution ou à une stagnation du nombre de prélèvements sur les donneurs en état de mort encéphalique. Et après, malheureusement, est survenue la grande catastrophe. La grande catastrophe, c'est quoi? C'est le Covid. Et donc là, vous voyez effectivement par rapport à... Alors la diapositive n'est pas de très bonne qualité pour une raison qui est relativement simple, c'est que c'est une photo que j'ai prise dans un congrès de l'Agence de la biomédecine. On avait tendance à pas mal communiquer sur les chiffres de transplantation et de prélèvement jusqu'en 2019, mais le Covid, déjà, n'a pas permis de tenir beaucoup de réunions en présentiel, donc ces chiffres ont été moins diffusés. Et d'autre part, les chiffres n'étant pas très bons, ils n'ont pas été trop diffusés. Mais ce que vous pouvez voir très clairement sur cette diapositive, c'est le décrochage très important au niveau des organes abdominaux, et en particulier au niveau du rein, puisque vous voyez qu'on est passé de 3700 transplantations rénales à 2600 transplantations rénales. Donc ça veut dire environ 1100 transplantations rénales de moins en 2020 par rapport à 2019, et ça, bien évidemment, c'est à cause du Covid. Vous voyez par contre les autres transplantations, en particulier des organes thoraciques, sont restées relativement stables. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, en fin de compte, sur l'année 2020, comme vous le savez tous, il y a eu la grande catastrophe de la crise du Covid. Ce que vous voyez sur la diapositive en haut, en vert comme ça, c'est la trajectoire qu'aurait dû être le nombre de prélèvements d'organes sur l'année. Avec des écarts types, c'était ce qui était prévu par l'Agence de la biomédecine. Il s'est avéré qu'il y a eu entre 20 et 25% de moins de donneurs pendant cette année Covid au niveau de la France. Au mois de janvier, ça se passe bien. Vous voyez, la courbe bleue, elle est sur la courbe telle qu'elle était prévue. Et à partir du mois de février, finalement, ça commence à décrocher, avec un décrochage qui est maximal au mois de mars. Une activité qui reprend après la crise Covid, mais en deçà de l'activité normale. Et à l'occasion de la deuxième crise Covid, une activité qui repart là aussi à la baisse. Là où la situation a été la plus dramatique, c'est dans cette période-là, pour une raison qui est assez claire, c'est qu'on ne savait pas à quoi on avait affaire. Les équipes telles que la mienne, où nous sommes tous issus des soins critiques, nous avons tous été réquisitionnés pour travailler dans les réanimations. L'ensemble de mon équipe aussi, d'ailleurs je la remercie, parce qu'elle a été travaillée en réanimation, et par contre elle a continué à prendre des astreintes. Et pendant toute cette période, on a travaillé à la fois en réanimation et on a continué à organiser les prélèvements d'organes. Il y en a eu moins, mais on en a quand même fait. Et effectivement, ça a été quand même difficile, mais on a quand même pu le faire. Ce qui a été très difficile, c'est qu'on a prélevé des donneurs, même des donneurs jeunes, et que l'activité de transplantation rénale a été complètement fermée pendant cette première vague de Covid. On ne savait pas si les greffés allaient... souffrir du Covid en venant à l'hôpital, en s'infectant. Donc, le rein n'étant pas une greffe vitale, on a fait des prélèvements pour les greffes vitales, c'est-à-dire les organes thoraciques et le foie, mais on n'a pas prélevé de rein, ce qui est dommage parce qu'on a eu quand même, en plus, malheureusement, quelques très bons donneurs dont les reins n'ont pas été prélevés. Parallèlement, il n'y a eu aucune transplantation rénale issue de donneurs vivants pendant cette première vague. À partir de la deuxième vague, on a changé de stratégie. Les équipes de coordination ne sont plus allés prêter main forte en réa, ou en tout cas un petit peu moins. La réa s'est adaptée. On a repris toutes les activités de greffe. Mais sans vouloir vous donner des chiffres, pendant l'année 2020, on considère qu'environ 15% des greffés rénaux ont fait un Covid et qu'il y a eu une mortalité
assez importante quand même chez ces patients, donc il fallait quand même vraiment les protéger. C'était pas pour rien, effectivement, qu'on a arrêté, parce que l'objectif de la greffe, c'est sauver des vies et de pas aggraver la situation. Quand on greffe quelqu'un, juste après la greffe, il reçoit beaucoup d'immunosuppresseurs et donc il est particulièrement à risque, surtout dans un hôpital qui a eu du Covid, même si les filières sont séparées, d'attraper le Covid. Et donc, malheureusement, il a fallu l'arrêter. Donc ça, c'est la situation en France. Mais cette diapositive est peut-être un petit peu compliquée. Vous avez en ordonnée le nombre de décès en abscisse, la baisse de l'activité. Vous voyez, en gros, c'est la comparaison de tous les pays entre eux. Vous voyez, la France est à peu près au milieu avec un nombre de décès important, avec une activité de transplantation qui a été conséquente, mais qui a baissé, vous voyez, d'environ 30%. Les États-Unis, qui ont un peu plus de Covid que nous, finalement, ils ont une activité qui a baissé que de 10%. Les pays, visiblement, se sont pas tous organisés pareil. Et le pays, vous voyez, qui a été le plus touché en termes de baisse de transplantation, pourtant qui a été très peu impacté lors de la première vague par le Covid, c'est le Japon, pour une raison qui est très simple, c'est qu'au Japon, c'est une population qui est surtout bouddhiste. La mort encéphalique n'existe pas. Donc, ils ne font que de la transplantation rénale donneur vivant. Et comme c'était trop dangereux pour les donneurs vivants, il y a eu moins 70% de transplantation au Japon. Mais en tout cas, le résumé de cette diapositive, c'est que le Covid a été une catastrophe pour l'ensemble du monde. Le résumé, il est relativement simple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on martèle. La transplantation a été une des victimes collatérales du Covid, comme certains patients qui étaient en attente de chirurgie pour des cancers. Donc le message, c'est il faut se vacciner pour être solidaire avec les gens qui sont en attente de transplantation, et aussi pour être solidaire, parce que bien évidemment, les soignants, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas à la fois faire du Covid, faire de la chirurgie, de la transplantation. On n'a pas un nombre inextensible. Donc finalement, la vaccination de tous, des soignants et de la population, c'est finalement permettre aux soignants de faire des activités plus prioritaires que de soigner des patients qui ont du Covid. Il y en aura toujours qui seront vaccinés, mais effectivement, le moins de patients en Covid on a, le plus de personnes sont vaccinées, meilleure sera la reprise d'activité de transplantation. Et on espère qu'effectivement, l'année prochaine sera mieux. Je vous donnerai des chiffres un petit peu de l'année 2021, qui a été aussi une année sous le signe du Covid, mais sur laquelle on a moins souffert, avec des chiffres beaucoup plus encourageants, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, parce que je n'ai pas tous les chiffres nationaux. Une petite reprise quand même du cadre législatif sur le don d'organes. Donc le don d'organes, la greffe, ça se fait couramment depuis les années 60. Enfin couramment, les premières, c'est des années 50. En France, c'est Jean Amburger, un grand néphrologue de Paris. Vraiment, les transplantations, ça commence à prendre vraiment son envol dans les années 80. Tout est dit dès 1976, et le cadre législatif, c'est le sénateur Caillavé qui l'a défini en 1976. Et le socle du prélèvement d'organes, c'est le consentement présumé. Nous sommes tous donneurs, sauf si de notre vivant, nous nous sommes exprimés contre le don d'organes. Alors bien évidemment, souvent on discute, on dit mais pourquoi ne pas passer sur le consentement explicite, qui serait beaucoup plus simple ? Je l'explique toujours parce que c'est notre histoire. Notre histoire, c'est les encyclopédies, c'est la Révolution française, c'est cette notion d'universalité. Et finalement, ça veut dire quoi, être donneur présumé ? Ça veut dire, lorsque je serai décédé, eh bien, je pourrai aider les autres. Et c'est vraiment le fruit de du génie français de penser les choses comme cela. Ce n'est pas vraiment un principe vraiment ancré chez les anglo-saxons, mais en tout cas, chez nous, ça l'est. Un autre cadre législatif important, c'est on peut pas faire n'importe quoi quand même. Je parle du code de Nuremberg. Vous savez qu'il y a eu de graves crimes par rapport à des expériences médicales pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le code de Nuremberg, c'est aussi la sécurité pour éviter les abus, et y compris en transplantation. Le cadre a été fixé après dans un cadre plus large de lois qu'on appelle les lois de bioéthique, qui ont été édictées pour la première fois en 1994 et qui sont remis au goût du jour régulièrement. En ce qui concerne le prélèvement, la transplantation d'organes, il y a eu peu d'évolution. La dernière loi, elle date d'août 2021. En ce qui concerne le prélèvement, il y a eu une seule modification. C'est on n'exige plus au niveau des majeurs protégés la signature du tuteur. Simplement l'avis des proches suffit. Pourquoi ? Parce que souvent, il y avait des tuteurs professionnels qui n'étaient pas joignables le week-end. Et le législateur a considéré que c'était dommage de ne pas pouvoir faire le prélèvement d'organes certains week-ends quand le tuteur professionnel n'était pas joignable.
Donc c'est la seule chose qui a été modifiée en ce qui concerne le prélèvement d'organes. Bien évidemment, il y a eu beaucoup d'autres modifications, en particulier sur la procréation médicalement assistée. La loi de 2011 avait élargi le cercle des donneurs vivants permettant de dépasser le cadre strictement familial, permettant le don croisé, qui malheureusement n'a pas décollé en France. Les trois grands principes, c'est la gratuité, l'anonymat et la non-parcimonialité du corps humain, ce qui veut dire que nous sommes tous propriétaires, entre guillemets, de notre corps. Nous en avons l'usage, mais nous n'avons pas le droit de le vendre. Nous ne pouvons pas vendre nos organes comme nous ne pouvons pas vendre nos gamètes. Et ça, c'est le socle des lois de bioéthique. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans cette diapositive, là aussi un peu ancienne? Il faut simplement regarder l'Europe. Vous voyez, cette Europe qui est un patchwork de différentes couleurs, avec beaucoup de rouge au nord et des patchwork de couleurs au sud. Alors, si je vous faisais une présentation d'économie, ben, je vous dirais le rouge, c'est bon, c'est là où il y a les pays très vertueux sur le plan économique. Et puis, ce qui est de toutes les couleurs, c'est mauvais, parce que c'est le club des pays moins vertueux sur le plan économique. Mais là, c'est, en ce qui concerne le don d'organes, c'est strictement le contraire. Les pays du nord de l'Europe, c'est ceux qui sont mauvais, et les pays du sud de l'Europe, c'est ceux qui sont bons. Pour une raison qui est très simple, c'est que les pays du nord de l'Europe, en tout cas en 2009, appliquaient la loi du consentement explicite, et tous les pays du sud de l'Europe, la loi du consentement présumé. Et en termes de don d'organes et de greffe d'organes, eh bien, c'est infiniment meilleur, parce que ça permet de prélever beaucoup plus d'organes. Donc ça, c'est la démonstration par l'absurde que le consentement présumé est vraiment le meilleur système législatif, même si malheureusement, il est un petit peu compliqué à comprendre. On va parler dans un premier temps du don du vivant. Le don du vivant, c'est quelque chose d'assez particulier qui, dans les premières années où il a été pratiqué, d'ailleurs, la première greffe rénale en France a été faite avec un donneur vivant. C'est une maman, c'est Jean Burger, du coup, qui a prélevé une maman. Son fils charpentier était tombé d'un toit. Il s'était disséqué. Bon, après, je suis réanimateur, donc je connais un peu aussi ce genre d'histoire. Il est tombé de haut, il a disséqué ses deux artères rénales. Il s'est retrouvé anurique, donc il a fallu le greffer. Donc, sa maman a donné un rein. La greffe a marché pendant 15 jours et le rein s'est arrêté de fonctionner, il est mort. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, nous n'avions pas d'immunosuppresseur. Donc finalement, la greffe a très bien marché. Techniquement, les chirurgiens ont fait parfaitement leur travail. Mais finalement, nous n'avions pas les médicaments à cette époque pour contrecarrer les effets du rejet. Et du coup, ce jeune homme, malheureusement, n'a pas survécu. Mais c'est la première greffe qui a fonctionné pendant 15 jours, qui a eu lieu en France dans les années 50. Donc première greffe en France du donneur vivant. Le principe du donneur vivant, c'est le principe le plus ancien de la médecine, qui date de l'Antiquité, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait du prélèvement sur un donneur vivant, il faut faire extrêmement attention. Cette personne n'est pas malade, il ne faut pas lui faire prendre de risque. C'est pour ça que la greffe du donneur vivant est une greffe qui stresse toujours un petit peu les chirurgiens et les équipes, parce qu'on n'a pas le droit de se trouer quand on fait une greffe donneur vivant. Donc c'est toujours du stress. Il ne faut pas que le donneur vivant soit lésé. Il va faire un geste extrêmement altruiste, il va aider quelqu'un, en particulier, surtout pour la transplantation rénale, mais il ne faut pas que ce geste lui soit délétère. C'est souvent dans un cadre familial, mais comme je le disais, maintenant, on peut le faire dans un cadre autre que familial, à partir du moment où il n'y a pas de rémunération, et on peut aussi faire du don croisé, même s'il ne marche pas pour le moment. Dans un but de protection, ces donneurs ont beaucoup d'examens complémentaires, à la fois pour se protéger eux-mêmes et aussi pour ne pas transmettre de maladie à la personne à qui ils vont donner. C'est toujours le même principe. Pour le protéger, cette personne doit passer devant le tribunal, ce qui peut paraître assez incongru, mais oui, pourquoi passer devant le tribunal? On va opérer quelqu'un qui n'est pas malade, c'est strictement interdit. Donc pour pouvoir prélever un organe, il faut que le tribunal nous donne l'autorisation, sinon on n'a pas le droit d'opérer le donneur vivant. Il doit passer devant un comité de protection aussi, qui l'informe de tous les risques. En général, les personnes sont très déterminées et tout se passe en général très très bien. C'est une activité qui était en développement, continue jusqu'en 2017, mais qui malheureusement, depuis 2017, a un petit peu décliné. Bon, avec le Covid, c'est assez compréhensible, mais c'est aussi la preuve un peu par l'absurde des difficultés qu'on a, dans les hôpitaux. On manque de personnel dans les hôpitaux, on essaie de faire tout ce qu'on peut, mais pour faire du donneur vivant, par rapport à une transplantation classique, il faut une salle pour faire le prélèvement du donneur et une salle pour faire la greffe. Donc ça consomme beaucoup de moyens hospitaliers et c'est quelque chose malheureusement qui a un peu diminué les dernières années. Alors, je vous parle de chiffres français. À Bordeaux, ce n'est pas le cas. L'activité de transplantation rénale
issue de donneurs vivants est très dynamique. Et, mais bon, voilà, en tout cas, au niveau de la France, ce n'est pas le cas partout. Deuxième type de donneurs, les donneurs décédés en état de mort encéphalique. Donc, ce sont les donneurs que l'on connaît le mieux, qui sont les donneurs, entre guillemets, les plus classiques, qui représentent en France à peu près 80% des transplantations. 80% des transplantations, c'est des donneurs décédés en mort encéphalique. C'est quoi la mort encéphalique? C'est la destruction de l'ensemble du cerveau. Vous voyez sur la partie droite un cerveau. Donc c'est la destruction de la partie noble du cerveau, qu'on appelle les hémisphères, mais aussi de la partie archaïque du cerveau, qui est le tronc cérébral. Et donc la mort encéphalique, c'est la destruction de l'ensemble de ses fonctions. Le tronc cérébral est quelque chose d'important parce que c'est ce qui contrôle à la fois le cœur et surtout la respiration. Et la caractéristique d'un donneur en état de mort encéphalique, c'est qu'il ne respire pas sans l'aide d'un respirateur. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de faire le diagnostic. Ce diagnostic est un petit peu particulier parce qu'il est très encadré. Et bien évidemment, il doit être entièrement sécurisé. Classiquement, pour faire un certificat de décès, c'est un seul médecin qui signe un certificat de décès en cas d'arrêt circulatoire, d'arrêt cardiaque. Dans le cas du donneur en état de mort encéphalique, c'est trois médecins qui vont attester du décès de la personne. Sans la signature de ces trois médecins, le prélèvement n'est pas possible. Ces trois médecins, en plus, ne doivent ni travailler dans un service de coordination de prélèvement d'organes, ni dans un service de greffe pour éviter tout conflit d'intérêts. Donc c'est très, très encadré. Le diagnostic clinique est fait par deux réanimateurs ou des médecins urgentistes ou des réanimateurs qui ont l'habitude de faire ce diagnostic, absence de conscience, plus absence d'ensemble des réflexes du tronc cérébral, et un autre médecin qui est soit un électrophysiologiste qui fait des EEG, soit un radiologue qui fait un examen scanographique au niveau cérébral, fait le diagnostic complémentaire. Le radiologue, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde si le sang circule dans le cerveau. Là, vous avez une artériographie normale. C'est des examens qu'on ne fait plus. Maintenant, on fait des scanners, mais ça illustre mieux. Et là, vous avez une artériographie d'un patient en état de mort encéphalique. Vous voyez, le sang s'interrompt au-dessus de la carotide. Il n'y a plus de sang qui circule dans le cerveau. Le cerveau est donc mort. Pourquoi prélever ce type de donneur? Parce que pendant 48 heures à peu près, le cœur continue à battre, les organes sont oxygénés, et donc ces organes sont parfaitement compatibles et en très bon état pour faire de la greffe d'organes. On déclare le décès de la personne, mais pendant quelques heures encore, ces organes sont en parfait état pour pouvoir être greffés. C'est la raison pour laquelle ce sont ces donneurs qui sont principalement utilisés pour la transplantation. Et bien là aussi, la crise Covid, ça a provoqué une baisse très importante de ce type de prélèvement. Pourquoi est-ce qu'on a eu moins de prélèvements de ce type? Parce qu'on a eu le confinement. Le confinement, c'est moins de circulation, moins d'accidents de la route. C'est aussi moins de stress pour certaines personnes, moins d'AVC. On a eu une conférence, la dernière conférence, c'est le docteur Rouanet qui l'a donnée. Il vous a expliqué effectivement comment on faisait bien notre travail au niveau du CHU de Bordeaux pour prévenir les AVC. Eh bien, cet excellent travail se traduit aussi par une diminution du nombre des décès par AVC. Et c'est quelque chose qu'on sous-tendait déjà depuis quelques années, puisque vous voyez, depuis 2016-2017, avec l'amélioration de la prise en charge des AVC, les thrombectomies mécaniques, pour ceux qui ont assisté à la conférence, ont fait diminuer la mortalité des AVC, moins d'accidents de la route, moins d'AVC, eh bien, ça veut dire moins de donneurs. Et donc, ça se traduit par une diminution du nombre de ce type de prélèvement. Et c'est quelque chose qui va perdurer. C'est la raison pour laquelle il va falloir renforcer le prélèvement sur les donneurs vivants et renforcer les autres prélèvements que je vais vous montrer par la suite. Quel est le profil des donneurs en état de mort encéphalique? On a coutume de penser que ce sont des jeunes traumatisés crâniens qui ont eu des accidents de la route. Eh bien, pas du tout. Le profil type de la personne qui va donner en mort encéphalique, c'est plutôt une personne qui va avoir une soixantaine d'années, qui va faire un AVC dans 60% des cas. Et vous voyez, la traumatologie routière, c'est moins de 15% des donneurs. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très faible. Et après, les traumas crâniens, c'est les comas post-anoxiques, c'est les arrêts cardiaques récupérés trop tardivement qui vont aboutir à la mort encéphalique. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que les AVC, là aussi, depuis 3-4 ans, ont tendance à beaucoup baisser. Et c'est la raison pour laquelle on a moins de types de donneurs comme cela. C'est aussi parce qu'il y a plus de prévention primaire. Le facteur principal de risque de l'AVC, c'est l'hypertension artérielle. Elle est mieux traitée et c'est tant mieux. On a déjà vécu ça dans les années 2000. Moins d'accidents de voiture, donc moins de traumatisés crâniens, moins de donneurs. Donc on a prélevé plus d'AVC. Et là, on est en train de finalement d'avoir moins d'AVC aussi. Mais quelque part,
c'est bien, parce que notre rôle principal de médecin, c'est aussi de sauver des vies. Sauver des vies, on peut le faire en prélevant des gens qui vont décéder, mais à la base, on doit tout faire en tant que médecin pour sauver ces gens, pour qu'ils ne soient pas donneurs. Petite comparaison régionale, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, là aussi ce sont des chiffres officiels de l'Agence de la biomédecine, eh bien on ne prélève pas partout pareil en France des organes pour faire de la greffe. Et en Nouvelle-Aquitaine et en Aquitaine, on est plutôt bien sur la diapositive de droite. Vous voyez, on est très très en bleu marine, plus c'est foncé, meilleurs sont les résultats. Ça veut dire qu'on prélève en moyenne beaucoup plus d'organes en Nouvelle-Aquitaine que dans les autres régions. Vous voyez par exemple en région parisienne, ou en Midi-Pyrénées ou en Rhône-Alpes, où les chiffres sont beaucoup moins bons. Je vous disais, on se compare en donnant les nombres de prélèvements par million d'habitants, parce que bien évidemment, le nombre d'habitants est différent entre les différentes régions. Mais vous voyez, en 2020, là, c'est pendant la crise Covid, on a prélevé en Aquitaine 27 donneurs par million d'habitants. En 2019, en moyenne, c'était 26 donneurs par million d'habitants. C'est-à-dire qu'en Aquitaine, malgré la grande catastrophe du Covid, on a prélevé en 2020 plus que la moyenne en France en 2019. Et en 2020, par contre, la moyenne en France est passée de 26 donneurs par million d'habitants à 20 donneurs par million d'habitants. Notre objectif en 2021, je vous montrerai les chiffres à la fin, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des 30 donneurs par million d'habitants. Moi, j'ai toujours dit dans toutes les présentations que je faisais, il faut avoir des objectifs chiffrés, c'est de prélever 30 donneurs par million d'habitants. C'est d'avoir des chiffres de ce niveau-là qui nous placent effectivement dans notre région, dans les meilleurs chiffres qu'on peut trouver au niveau mondial, presque aussi bons que ceux de l'Espagne, mais il faut avoir des ambitions, parce qu'il y a une telle pénurie d'organes qu'il faut être ambitieux, il faut toujours essayer de faire mieux. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de prélèvements en Aquitaine? C'est le pendant de l'autre côté, vous voyez, là par contre, au contraire, plus c'est clair, mieux c'est l'opposition au prélèvement d'organes. Vous voyez qu'en fin de compte, on n'a que 25% en Aquitaine d'opposition au prélèvement d'organes. Ce sont les chiffres qui sont demandés dans le plan greffe. L'objectif national, c'est 25% d'opposition au prélèvement d'organes. La moyenne nationale, elle est de 33%. Donc on est en dessous de la moyenne nationale. Donc on peut dire que les Aquitains sont en moyenne plus généreux pour le don d'organes que dans d'autres régions. Je ne vais pas trop m'apesantir, à moins que vous ayez des questions là-dessus, sur ces données. Mais c'est vrai que globalement, vous voyez, dans le Grand Ouest, il y a quand même beaucoup moins d'opposition au prélèvement d'organes que dans certaines régions, et en particulier en région parisienne, c'est là où il y a le plus d'opposition au prélèvement d'organes. Et le dernier type de donneur, parce que je sais qu'on a pas mal de temps, mais l'objectif aussi, c'est peut-être de pouvoir discuter entre nous et pas que je vous assomme avec un diaporama. Donc je vais essayer dans 10-15 minutes encore de faire la présentation pour qu'on ait à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir discuter entre nous. Troisième type de donneur, les fameux donneurs décédés en arrêt circulatoire, qui n'étaient pas prélevés jusqu'à un certain moment, parce que qui dit arrêt circulatoire dit ischémie chaude des greffons. Ischémie chaude, ça veut dire qu'au bout de quelques minutes, si les organes ne sont pas refroidis, il y a des lésions irréversibles au niveau des cellules de ces organes. Et ça ne sert à rien de les prélever parce qu'ils ne refonctionneront pas derrière. Et non seulement ils ne refonctionneront pas, mais en plus ils peuvent mettre gravement en danger la vie des receveurs qui vont les recevoir. Donc pendant des années, c'est pour ça qu'on n'a pas prélevé ces donneurs en arrêt circulatoire. Donc tout l'enjeu pour les prélever, c'est de bien savoir pendant combien de temps ils n'ont pas été oxygénés et de mettre en œuvre des techniques pour pouvoir les réoxygéner, pour les rendre propres à la greffe. Alors on appelle ces donneurs les donneurs de type Maastricht. Pourquoi les appeler Maastricht? Parce qu'en fin de compte, dans les années 1990, il y a eu une conférence de consensus international pour classifier ces donneurs dans la ville hollandaise de Maastricht. C'est pour ça qu'on les appelle les donneurs de Maastricht. Et il y en a quatre catégories. La catégorie qui va nous intéresser, que je vais développer, c'est la catégorie 3, qui est le prélèvement des donneurs en arrêt circulatoire dans le cadre d'un arrêt thérapeutique en réanimation. On les appelle donneurs contrôlés parce que c'est là où les greffons sont le moins abîmés par l'arrêt circulatoire. On a possibilité de prélever les donneurs de type 2, qui sont des donneurs où l'arrêt circulatoire va se faire en présence de témoins. On sait exactement combien de temps il dure. Mais par contre, le cœur ne repart pas. Les organes sont en ischémie chaude quand même pendant un certain temps. Et les résultats sont beaucoup plus aléatoires. Donc ces donneurs ne sont pas prélevés partout dans le monde, sauf en France et en Espagne, où il y a eu des tentatives de prélèvement, en particulier en 2005. Alors les chiffres de M2, je vais juste vous en montrer quelques-uns.
Ce que vous pouvez voir, c'est une activité qui est autorisée en France en 2005, qui a pris son envol péniblement en 2007, 2008, 2009, 2010, avec une soixantaine de donneurs prélevés. Ça a permis surtout de la greffe rénale, très très peu de greffe hépatique. Et puis, depuis 2016-2017, vous voyez, il y en a presque plus. Et en 2020, il y en a eu 5 ou 6. Pourquoi ? Parce qu'en 2016-2015, commence en France le prélèvement des Maastricht 3. Et les équipes ont arrêté de prélever les Maastricht 2 parce que les résultats étaient très décevants. Et le Maastricht 3 donnait des résultats bien plus encourageants. D'autre part, pour parler de problèmes strictement éthiques, pour pouvoir prélever un M2, entre le moment où la personne fait son arrêt circulatoire et le moment où les organes doivent être explantés, il ne doit pas se passer plus de 4 heures. Ça veut dire que c'est extrêmement traumatisant pour les familles de donneurs. Parce que vous imaginez, il faut parler à la famille, et moins de 4 heures après, alors que la personne était en parfaite santé, les organes sont explantés. Donc c'est quelque chose de très très traumatisant, à la fois pour les équipes qui font, mais surtout pour les familles. Et c'est important de penser toujours aux familles de donneurs. Alors, le M2 a beaucoup diminué parce qu'on s'est mis en France à autoriser les prélèvements de type M3. Le M3, ce n'est pas une révolution. Hein. C'est quelque chose qui se fait couramment dans les pays anglo-saxons et du Benelux depuis le début des années 2000. Hein. On avait 15 ans de retard en France par rapport à ce type de prélèvement, par rapport à d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on a eu 15 ans de retard? Parce qu'on n'avait pas de loi sur la fin de vie. Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas l'autorisation en France de faire ce type de prélèvement. C'est les lois Leonetti et Claeys-Leonetti, quand elles ont été promulguées, qui nous ont permis de pouvoir faire ce type de prélèvement. Ce que vous pouvez voir, c'est que la France se couvre petit à petit de centres M3. Et vous voyez, effectivement, les premiers centres, c'est 2015. Et en 2021, il y a 44 centres autorisés au M3. Alors, en Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas très, très riche, hein, vous voyez, puisque nous, il n'y a que Bordeaux, Périgueux et Poitiers. Et encore, Bordeaux, nous, on est ouvert que depuis début 2021. Ce sont des processus qui sont très compliqués à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, le premier centre qui a été ouvert, c'est celui-ci. C'est l'hôpital d'Annecy qui a fait le premier prélèvement M3 en France. C'est souvent beaucoup plus facile d'organiser ce type de prélèvement dans des petits hôpitaux que dans des gros hôpitaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des démarches éthiques très complexes. Il faut l'unanimité de l'ensemble des équipes de soins pour que ça puisse fonctionner. Et comme le M3, c'est de l'arrêt de soins dans les services de réanimation, il faut l'unanimité des réanimateurs pour pouvoir mettre en œuvre ce type de processus. Et c'est plus compliqué dans les gros établissements où il y a beaucoup de réanimation. Il suffit que certaines personnes, je dirais, aient des inquiétudes et du coup, on est obligé d'attendre. Il faut que le consensus se fasse pour que ça puisse démarrer dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle on n'a pas commencé très très tôt à Bordeaux. Mais je vais vous rassurer, ça marche très très bien maintenant. Donc il y a eu un processus très compliqué pour mettre en place ces autorisations. Et en particulier, c'est passé par les sociétés savantes de réanimation, le Comité consultatif national d'éthique. Ça a été voté dans les deux chambres, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Des protocoles ont été édictés par la Direction générale de la Santé. Des autorisations ont été données. Et il faut des autorisations spéciales, supplémentaires, par rapport aux autorisations normales pour faire du prélèvement, pour faire ce type de prélèvement d'organes en arrêt circulatoire. En France, il y a 180 établissements autorisés au prélèvement d'organes. Il n'y en a qu'une quarantaine qui sont autorisés au M3. Il faut des autorisations supplémentaires. Alors, c'est très intéressant parce que je vous ai montré des chiffres plutôt sur le déclin en ce qui concernait les prélèvements sur les donneurs en état de mort encéphalique. Mais là, vous voyez, en ce qui concerne les M3, eh bien, à partir du moment où on a ouvert des centres, on s'est mis à prélever. Et là, on prélève beaucoup de reins, beaucoup de foie et des poumons aussi. Ce qu'on ne faisait pas avec le M2, où on ne pouvait prélever pratiquement que des reins et encore avec des résultats assez catastrophiques. Je vous montrerai une diapositive par la suite. Mais en plus, là, non seulement les résultats ne sont pas catastrophiques, mais les résultats sont excellents en termes de qualité de reprise de fonction pour les receveurs. Quels sont ces patients? Puisqu'on parle de patients qui vont être limités en réanimation. Donc c'est une diapositive un peu complexe. Mais finalement, ce sont des patients qui vont être une minorité de patients. Il ne faut pas penser que tous les patients qui vont rentrer en réanimation et qu'on va limiter vont devenir des donneurs d'organes pour autant. Ce ne sont que des patients qui ont des lésions cérébrales importantes. C'est à peu près les mêmes causes que les causes qui amènent à la mort encéphalique. C'est essentiellement du traumatisme crânien, c'est essentiellement de l'AVC, mais c'est surtout du coma post-anoxique.
15% des morts encéphaliques, c'est du coma post-anoxique. Et là, en France, la barre rouge, vous voyez, c'est environ 50% des donneurs prélevés, c'est des comas post-anoxiques. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui vont être réanimés suite à un arrêt cardiaque. Le cœur va repartir, mais il va repartir trop tardivement avec des dégâts cérébraux irréversibles. Et les équipes de réanimation, en ayant fait beaucoup d'examens, vont prendre leur temps, mais finalement s'apercevoir que le pronostic neurologique est catastrophique. Et dans l'intérêt du patient, de manière consensuelle, avec avis de personnes extérieures, vont prendre des décisions d'arrêt thérapeutique pour ne pas rentrer dans de l'acharnement thérapeutique. Une fois que ces décisions sont actées et signées de manière extrêmement transparente, la famille est informée de la décision médicale d'arrêt thérapeutique. Soit la famille l'accepte, c'est de la très très grande majorité, soit la famille ne l'accepte pas, et dans ce cas-là, il faut prendre du temps. Mais bien sûr, si la famille ne l'accepte pas, il n'est pas question de faire une proposition de don d'organes. Ces situations, c'est une minorité. Il faut savoir qu'en réanimation, on a des techniques pour maintenir en vie, entre guillemets, les gens pendant très longtemps. La plupart des gens qui vont décéder en réanimation, c'est qu'à un certain moment, on se sent dans une impasse thérapeutique et on se sent dans de l'acharnement thérapeutique. Et quand tout le monde, y compris les paramédicaux, pense ça, on arrête les thérapeutiques et c'est comme ça que les patients décèdent en réanimation. Mais ceux qui pourront être prélevés, c'est quand même une très très petite minorité. Pourquoi est-ce que je montre la comparaison avec les chiffres anglais? Parce que vous voyez qu'en Angleterre, la grosse différence, c'est le délai entre le moment où on fait le M3 et le moment de l'événement causal. Je vous ai dit, pour le M2, c'est 4 heures. Pour la mort encéphalique, en moyenne, c'est 48 heures. Et en France, pour faire du M3, la moyenne, c'est environ 10 jours. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'événement neurologique survient et le moment où on va procéder à l'arrêt thérapeutique, il s'est passé 10 jours en moyenne. Ça veut dire qu'on se laisse beaucoup plus de temps, on fait beaucoup d'examens pour établir un pronostic, et on a beaucoup plus de temps pour discuter avec la famille. C'est quelque chose de beaucoup moins traumatisant. En Angleterre, c'est 3,25 jours. Donc c'est pratiquement le même délai que la mort encéphalique, ce qui ne nous paraît pas acceptable, premièrement, d'un point de vue éthique, et deuxièmement, c'est qu'on pense que beaucoup de ces patients auraient pu passer en mort encéphalique, et on ne peut pas faire pratiquement pas de prélèvement cardiaque, donc c'est pas éthique aussi de ne pas attendre, parce que sinon ça peut condamner des gens qui attendent des cœurs de ne pas attendre assez longtemps. Et puis attendre plus longtemps, c'est se donner plus de moyens pour établir un pronostic neurologique. Certes, ça coûte plus d'argent parce qu'il faut garder plus longtemps les patients en réanimation, mais je dirais, on n'est pas là non plus que pour des considérations financières. On est là pour travailler dans des conditions éthiques, et attendre plus longtemps, c'est beaucoup plus éthique. On se laisse plus de temps pour réfléchir. Les deux grands défis, même si je vous ai tout dit pratiquement déjà sur le donneur en arrêt circulatoire, c'est premièrement de faire un arrêt thérapeutique dans des conditions éthiques qui sont définies de manière très claire par les lois Leonetti et Claes Leonetti, avec un projet très clair, c'est un droit à la sédation profonde et terminale, mais qui n'est pas un geste euthanasique, c'est juste être sûr que les personnes ne souffrent pas pendant le processus d'arrêt thérapeutique. Et ça, en réanimation, on a tous les moyens de le faire très correctement. La deuxième chose, c'est que c'est un projet d'arrêt thérapeutique et c'est pas un projet de don d'organes. Donc d'abord, on doit mener à bien un projet d'arrêt thérapeutique, et si le don est possible, eh bien, éventuellement, on va le faire. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu technique, comme je vous disais. Ça, ce sont une classification internationale des facteurs de risque de non-reprise de fonction des greffons rénaux. Et vous voyez très clairement, DCD, c'est le terme anglais pour donneur en arrêt circulatoire. C'est un facteur de risque majeur de non-reprise de fonction. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de pays, des techniques de réhabilitation ex vivo des organes ne sont pas mises en œuvre. Ces organes ne sont pas correctement oxygénés pendant le processus, et ce sont des organes dangereux. C'est la raison pour laquelle, en France, quand on a mis en place ce processus après les autres, le processus a été plus exigeant. Et une fois que le décès est prononcé, après l'arrêt circulatoire, après 5 minutes d'arrêt circulatoire, on va utiliser des machines qu'on va brancher sur le donneur une fois qu'il sera décédé pour réanimer les organes, pour qu'ils soient réoxygénés. Et qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une machine de ce type, qui est une machine de circulation extracorporelle normothermique, dont le principe est de brancher une machine avec un oxygénateur, avec une pompe qui va faire circuler du sang oxygéné en se branchant sur l'artère fémorale et sur la veine fémorale. Et on met un ballonnet d'occlusion qui va permettre uniquement d'oxygéner les organes abdominaux. Et en mettant en place cette machine,
ça garantit que le foie et les reins vont être parfaitement réanimés, même après l'arrêt circulatoire. Alors, en le montrant comme ça, ça peut paraître simple, mais en fin de compte, c'est assez compliqué à mettre en œuvre quand même. Mais ça donne du coup d'excellents résultats. Si on résume le processus, ça se passe à peu près comme ça. Ça se passe presque comme dans le cas d'un prélèvement sur un donneur en état de mort encéphalique. Pardon, excusez-moi, j'ai fait passer la diapositive. Dans un premier temps, le processus, je vous ai expliqué, c'est l'arrêt thérapeutique qui se passe uniquement en réanimation, sans les équipes de greffe et sans les équipes de coordination. Donc c'est ce qui symbolise ce mur. Une fois que la décision est actée et signée et que la famille a accepté l'arrêt thérapeutique, l'équipe de coordination va discuter avec la famille pour savoir si leur proche aurait été donneur d'organes. Il n'est pas encore décédé, donc il n'est pas donneur présumé. Il n'est pas donneur, il n'est pas présumé donneur, mais il est donneur potentiel. Donc on va aller discuter avec la famille de manière consensuelle pour savoir s'il a donné de son vivant des directives claires et s'il aurait souhaité être prélevé. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, on fait un arrêt thérapeutique classique. Et si c'est oui, on lance un processus. Le processus, on va faire des bilans, comme pour un donneur classique, pour être sûr de ne pas transmettre de maladie au receveur. On va mettre en place la limitation thérapeutique. Et une fois que la personne va être décédée, on va mettre en place cette circulation extracorporelle. On va la faire tourner pendant 1 à 2 heures. On va faire le prélèvement. Et après, on va réaliser les greffes, mais on va essayer de les réaliser beaucoup plus rapidement que dans le cadre d'une greffe classique. On va réduire les durées d'ischémie, parce que ce sont des greffons qui, théoriquement, sont plus risqués. Les gens, d'ailleurs, qui vont les recevoir, en tout cas jusqu'à maintenant, signent des consentements, parce que sur le plan international, ils sont considérés comme des greffons à risque. Comme ce n'est pas une procédure euthanasique, ça peut ne pas survenir. Et finalement, si l'arrêt thérapeutique ne survient pas, eh bien, on laisse l'agonie se poursuivre, on ne prélèvera pas les organes, parce que ce n'est pas un processus où ça doit aboutir à tous les coups. C'est un processus vraiment d'arrêt thérapeutique dans l'intérêt du patient. Et donc, dans 15% des cas, eh bien, finalement, on ne peut pas prélever les organes. Il ne me reste plus que 2 ou 3 diapositives, et après j'ai fini, comme ça on aura bien le temps de discuter. J'ai pris l'exemple de la transplantation rénale. J'aurais pu prendre l'exemple de la transplantation hépatique ou de la transplantation pulmonaire. Donc, on ne doit pas quand même... On doit mettre très rapidement en place quand même la circulation, parce que si les organes ne sont pas réoxygénés rapidement, ils ne sont pas propres à la greffe. Donc, cette machine doit être mise en moins de 30 minutes pour prélever un foie et en moins de 45 minutes pour prélever des reins. Une fois que la machine tourne, on va au bloc, on va prélever les reins. Donc la machine, en gros, ça ressemble à peu près à ça. C'est exactement les mêmes machines qu'on utilise, c'est un cœur artificiel. C'est exactement les mêmes machines qu'on utilise pour réhabiliter les cœurs des patients en attente de transplantation. Sauf que là, on les utilise non pas pour réhabiliter le cœur, mais pour réhabiliter, réoxygéner les organes après le décès de la personne. Une fois que les reins sont perfusés, que sont prélevés, là aussi, comme ils sont à risque, on utilise ce type de machine. On ne les met pas que dans des glacières, on les met dans des machines dynamiques. On fait circuler du liquide à l'intérieur pour essayer d'améliorer là aussi la reprise de fonction des greffons. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transplantation d'organes, c'est maintenant devenu quelque chose de très technique. Et on a de plus en plus de techniques d'adjuvants pour rendre les organes de plus en plus sûrs, qui tolèrent de mieux en mieux l'ischémie pour que les greffés puissent avoir des organes de très bonne qualité. Et en particulier pour la transplantation rénale, mieux l'organe va repartir, plus il va durer longtemps. Donc c'est vrai que ces techniques sont très très importantes parce que ça conditionne la reprise de fonction et donc la durée d'hospitalisation. Mais le plus important, c'est pas tellement ça. C'est que plus un organe va repartir vite, plus il va durer longtemps, en particulier pour le rein. Et les résultats, bon, après ce sont des diapositives un peu techniques et médicales. Mais comme je vous disais, ce qu'il faut lire... C'est ça, ces résultats inattendus. Et d'ailleurs, à tel point, le protocole français, quand ces résultats ont été montrés dans les études internationales, on nous a dit que ces résultats étaient faux. Ce n'était pas possible que ça donne d'aussi bons résultats. Les résultats, c'est quoi? Au bout de 5 ans, sur 1000 transplantations rénales, et bien c'est 95% de survie de greffons à 1 an et 90% de survie de greffons à 2 ans. Ce qui est même au-delà de la survie des greffons sur les donneurs en état de mort encéphalique. Le protocole est tellement bien fait et surtout tellement strict avec l'utilisation de toutes ces techniques et de toutes ces machines que ces greffons qui théoriquement sont à risque sont des greffons qui donnent d'excellents résultats. Et je pourrais vous montrer exactement les mêmes résultats pour le foie.
Une des complications classiques pour le foie de ce type de greffon, c'est la nécrose de la voie biliaire, une fois que la greffe a été faite, parce que l'organe a trop souffert. Il n'y a pas de nécrose de voie biliaire, du fait du protocole français. Il n'y a aucun cas sur toutes les greffes hépatiques qu'on a fait. Alors que normalement, dans la littérature internationale, c'est 30%. Ça, c'est grâce à la machine de réhabilitation des organes. Quelques chiffres, du coup. Alors, globalement, les chiffres en Aquitaine sont bons. Je pense que les chiffres en France ne le sont pas. Je ne pense pas qu'on ait retrouvé en 2021 l'activité de 2019. En Aquitaine, on a pratiquement une activité cette année qui va être la même que l'activité de 2019. On a prélevé en Aquitaine, j'ai fait les chiffres ce week-end, 86 donneurs en état de mort encéphalique et 9 donneurs M3. Donc ça veut dire que si on additionne déjà ces deux chiffres, on est pratiquement à 100 donneurs, ce qui nous fait, comme on a à peu près 3,3 millions d'habitants en Aquitaine, ça fait déjà 30 prélèvements par million d'habitants. Donc on a déjà des chiffres avant la fin de l'année qui sont excellents. Et bien évidemment, l'année n'est pas finie, donc on espère qu'on va faire d'autres prélèvements d'ici à la fin de l'année. En termes de greffes, en Aquitaine, il n'y a que le CHU de Bordeaux qui fait des greffes. On a fait à peu près 160 transplantations rénales, et sur ces 160, il n'y en a pas eu 34, mais il y a eu 34 donneurs vivants. 34, c'est le chiffre qui sera fait dans l'année, puisqu'il y en a encore un ou deux qui sont prélevés, proposés d'ici à la fin de l'année. Il y a eu 23 transplantations cardiaques, c'est ce qu'on a fait en 2019, 22 transplantations pulmonaires et 68 transplantations hépatiques, ce qui est un chiffre encore plus important que le chiffre de 2019. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'effet du programme M3. Les organes prélevés en M3 sont greffés tous à Bordeaux, parce qu'il faut qu'ils soient greffés très près du centre préleveur pour limiter la durée d'ischémie, comme ce sont des organes à risque. Et donc, ça a permis d'augmenter ce programme M3, l'activité de transplantation hépatique au niveau du CHU de Bordeaux. Deux diapositives, encore trois diapositives. Une première diapositive, je ne sais pas si ces personnes sont dans la salle. Je voudrais beaucoup remercier les gens qui nous aident à prendre en charge les familles de donneurs. Il y a plusieurs personnes. Il y a une association qui est à Bordeaux, qui s'appelle le Réseau Ado, qui sont des pédopsychiatres qui accueillent les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont fait un don d'organes, ou d'ailleurs qui ne l'ont pas fait, mais on a la coutume de de les mettre en contact avec cette association qui les aide beaucoup et qui les suit. Et d'autre part, je ne sais pas si le docteur Sautreau est là, mais le docteur Sautreau, oui, il est juste derrière, a écrit un très beau livre qui est un livre qui permet d'expliquer le deuil et de mieux prendre en charge le deuil. Je lui adresse aussi des patients parce que faire un don d'organes, c'est quelque chose qui sauve des vies, mais perdre brutalement quelqu'un, c'est quelque chose de très traumatisant. Alors, le message, il est très simple. Ce qui provoque le deuil, les problèmes de deuil, c'est pas de faire le don des organes, c'est de perdre brutalement un proche. Et toutes les personnes, y compris qu'elles fassent un don ou pas, sont dans cette situation. Mais en tout cas, tous ceux qui l'acceptent, on essaie de les orienter pour essayer de limiter au maximum ces problèmes de deuil. Dernière chose, et après, ce sera la diapositive de conclusion. Grâce aux donneurs aussi, on peut faire de la recherche fondamentale. Certains organes ne sont pas accessibles à la greffe. Et si les donneurs l'autorisent, certains organes peuvent être étudiés, et en particulier des cœurs. Vous savez qu'à Bordeaux, on a un institut unique au monde qui s'appelle l'IHU Lyric. Alors, c'est vrai que l'IHU, maintenant, c'est un peu connoté parce qu'il y a l'IHU du professeur Raoult, bon, qui a donné une mauvaise image des IHU. Mais en tout cas, l'IHU de Bordeaux n'a rien à voir avec tout ça. Et ce sont des chercheurs extrêmement compétents. Ces cœurs qui ont été récusés permettent de faire de la recherche fondamentale, et la recherche fondamentale permet de mieux comprendre la mort subite. Et là, par exemple, c'est un exemple de papier qui est soumis dans une revue très prestigieuse. C'était à propos d'une jeune personne qui avait fait un arrêt cardiaque dans le cadre d'un marathon. Et ce cœur qui est parti, il ne pouvait pas être greffé, bien évidemment, du fait de cet arrêt cardiaque. Il était totalement impropre à la transplantation. Il a permis de faire des bonds de géant en termes de compréhension de la mort subite et du syndrome de Brugada. Le syndrome de Brugada, vous savez, c'est typiquement ce qui est arrivé à ce footballeur danois pendant l'Euro qui s'est écroulé sur la pelouse. Ce sont des orages rythmiques qui provoquent des arrêts cardiaques. Et grâce à ce type de cœur, on a fait probablement 10. On a pris 10 ans d'avance dans la recherche grâce à ce don d'organes. Donc les donneurs, ils permettent de sauver des vies individuellement
en faisant don de leurs organes pour greffer des gens. Mais quand ces organes aussi, des fois, ne sont pas compatibles, en les donnant à la science, avec leur accord, bien évidemment, ça permet aussi de faire des progrès fulgurants en termes de connaissances. Et ça, ce type de don, c'est des milliers ou des millions de vies que ça peut sauver aussi. C'est la raison pour laquelle je pense que il n'y a pas beaucoup de discussions, et je vous ai parlé que de dons, parce que recevoir, c'est comme une évidence. Et des gens qui sont greffés, je crois que j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est la greffe d'organes. C'est une évidence, ça sauve des vies. C'est un bénéfice aussi pour la société de greffer des gens, parce que greffer des gens, c'est bien pour eux parce qu'ils vivent mieux, mais aussi certains peuvent retravailler. Et puis ceux qui sont dialysés, finalement, eh ben, c'est beaucoup plus avantageux pour la société de ne pas les dialyser. Il vaut mieux les greffer. C'est beaucoup mieux pour eux, et en plus, ça coûte moins cher à la société. Donc il faut absolument greffer les gens, parce que en plus, ils reprennent une vie normale, et ils retravaillent, et donc c'est un bénéfice pour tout le monde. Pour ça, il faut développer les activités de prélèvement, parce que le grand problème, c'est qu'on n'a pas assez d'organes pour tout le monde, et donc il faut prélever. Pour pouvoir prélever, il faut sortir du Covid. Donc le message, là aussi, c'est qu'il faut se vacciner, parce qu'il n'y a que par la vaccination et la prévention par les gestes barrières qu'on va sortir du Covid. Il faut développer le donneur vivant, mais surtout les donneurs en état en arrêt circulatoire, parce que ça, c'est l'avenir du prélèvement d'organes. Il faut respecter, bien évidemment, l'éthique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut bien traiter des proches, prendre en charge après, en particulier avec les équipes de psychothérapeutes, de psychiatres, pour prévenir le deuil. Il faut savoir remercier les donneurs et leurs proches. C'est la raison pour laquelle, avec le collectif interassociatif de la région Aquitaine, en haut à droite, vous pouvez voir le monument qui a été inauguré pour la journée du 22 juin 2021 pour remercier les donneurs et les transplantés. Et en bas à gauche, il va falloir le réhabiliter, mais j'aime bien quand même le montrer, puisque c'est le monument de remerciement aux donneurs du CHU de Bordeaux, le premier, qui était à Pellegrin, qui date de 2003 et qui est le premier qui a été fait en France. Pour que la transplantation, ça marche bien, c'est le petit schéma que je vous ai montré, c'est une chaîne qui permet que tout le monde travaille les uns avec les autres, toujours pour le bénéfice des proches et des donneurs. Je vous remercie de votre attention.